Thomas Tuchel, tard que ce jeu. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Thomas Tuchel, les gars. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, tu le fais bien. Sur cette chaîne, on parle de foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne remarquer les prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, les gars, Thomas Tuchel, les gars, ce que Thomas Tuchel est en train de vivre là, je ne souhaite cela à aucun entraîneur, les gars. C'est inadmissible que tu prends le Bayern. Le Bayern est en voie de faire le triplé, les gars. Le Bayern est en voie de faire le triplé, c'est-à-dire championnat, coupe et Champions League. Et tout d'un coup, le Bayern peut tout perdre. La preuve en est qu'en Ligue des Champions, ils sont éliminés face à City. En coupe, ils se sont fait éliminer face à Freiburg. Et de surcroît, les gars, ils viennent de perdre leur première place au détriment de Dortmund. Ils ont perdu 3 buts à 1 face à Mayence. Un club qui est en voie de faire le triplé se retrouve en train de tout perdre. Et ça ne sera même pas une surprise si le Bayern passe une saison blanche. Parce que je pense qu'il reste 4 journées. Il reste environ 4 journées en Allemagne. Donc si le Borussia Dortmund gagne ses 4 matchs, il sera champion. Et on n'exclut même pas que le Bayern va gagner tous ses matchs, les gars. Parce que le Bayern a du mal à enchaîner 3 matchs consécutifs de victoire. Ils ont du mal à enchaîner 3 matchs consécutifs de victoire. Donc, je ne vois pas le Bayern ne pas vaciller les derniers journées qui restent en Bundesliga. Pour moi, ils vont vaciller. Pour moi, ils vont vaciller au minimum encore un match. Donc, je ne vois pas comment Dortmund peut rater le championnat, les gars. Je ne vois vraiment pas. Et Thomas Tuchel, il vit vraiment une situation très compliquée. Il a dit juste qu'il ne comprend pas pourquoi ses joueurs n'arrivent pas à se concentrer tout un match. Il y a toujours des erreurs. Si ce n'est pas Upamecano, c'est l'autre. Il y a toujours des erreurs. Après, c'est à lui de trouver pourquoi ces jeunes n'arrivent pas à se concentrer. C'est à lui de trouver la solution, les gars. Mais ce que Thomas Tuchel est en train de vivre là, je ne souhaite ça à aucun entraîneur, les gars. Donc voilà ce que je voulais partager. Je vais totalement te retourner en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Sinon, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.